On est en place depuis 7 mois. 7 mois seulement. Et si on fait le total là, des investissements et surtout du travail de concertation, du travail seulement avec la tournée qu'on a réalisée en janvier, on a rencontré au-delà de 500 personnes pour la planification de notre stratégie gouvernementale. Les gens sur le terrain, moi, mon principal baromètre, c'est pas ce que l'opposition dit. C'est de bonne garde, on reçoit des critiques de l'opposition. Mon principal baromètre, là, c'est quand je parle aux gens de mon comté et de ma région. Les gens nous font confiance. Puis ils savent que le Parti québécois est le parti des régions. Et on peut parler à partir d'un exemple concret, le premier plan de relance qui a permis de propulser la région dans un élan de développement au début des années 2000. Ça s'est fait avec Bernard Landry, avec le gouvernement du Parti québécois. Puis ce qu'on propose aujourd'hui, c'est d'élaborer une stratégie qui va faire suite à ce premier plan de relance-là. Et de déposer une stratégie pour une région avec des défis aussi énormes que celle de la région de la Gaspésie et des Îles dans un délai de 7 mois, c'est tout un exploit. Et ça, on va déposer une stratégie dans les prochains jours. Et c'est là qu'on sera en mesure de constater vraiment la perception du milieu face à notre gouvernement. Puis je suis très confiant. Maintenant, je vous dirais que notre région a besoin d'un bon coup de barre. Le premier plan de relance a porté ses fruits, mais après près de 10 ans, on a besoin de remettre en place notre économie. C'est ce qu'on sait faire. Puis notre gouvernement a une vision aussi de développement à moyen et à long terme pour la région. C'est important de ne pas uniquement saupoudrer, de s'improviser. On a vu des dernières années beaucoup d'annonces, là, malheureusement, qui n'étaient pas attachées. Aujourd'hui, c'est un exemple concret. On a annoncé un programme de formation professionnelle ici à Saint-Anne-des-Monts avec un budget de 2 millions, alors que ça en prenait tout près de 6 millions. Les gens avaient des attentes, les gens étaient déçus. Puis quand je suis arrivé en fonction, on m'a dit, M. Lelièvre, ce qu'on vous demande, c'est de nous dire la vérité. Puis des annonces pas attachées. Le bâtiment ici, on a fait l'objet de 2 annonces pas attachées. Puis ça déçoit les gens. Aujourd'hui, ce qu'on s'est engagé, nous, c'est de réaliser le projet. Puis on l'annonce aujourd'hui, ça a pris, oui, un certain temps. Mais ce qu'on annonce, c'est un projet avec des budgets qui sont confirmés. On a remis la lettre de la ministre ce matin à la commission scolaire qui confirme les budgets. Bien, c'est comme ça, nous, qu'on travaille. Des fois, ça prend un peu plus de temps, mais c'est une question de respect, puis c'est une question d'honnêteté face à nos intervenants, à nos partenaires. Puis moi, c'est ma façon de faire, puis je vais continuer dans ce sens-là. Oui, des fois, ça va peut-être être un peu plus long, mais vous savez, en Gaspésie, on a livré plusieurs combats, puis l'important, c'est le résultat. On est capable d'être patient quand ça en vaut la peine, puis je garantis la population de la région que ce qui s'en vient, honnêtement, c'est un très, très grand pas dans la bonne direction pour le développement de notre région. Puis j'aurai le plaisir d'être avec Mme Marois et nos deux députés du comté de la région, c'est-à-dire M. Roy et Mme Richard, pour présenter à la population de la Gaspésie des Îles notre plan d'action pour la région. Et je suis convaincu que les intervenants du milieu vont être satisfaits.